monsieur. Moi non plus, je n'apprécie bien ce Straka, monsieur. Mais en l'occurrence, vous feriez mieux de prendre son parti. J'y réfléchirai. Autre chose ? Nous allons devoir débroussailler la lisière au nord des bois. Mais je dois d'abord me rendre sur place pour tout examiner. Très bien. Quand ce sera fait, revenez me voir et nous approfondirons le sujet. À vos ordres, monsieur. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh. Dois manger. Tu t'es bien débrouillé, Gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas ? Le deuil est plus léger, l'estomac plein. Bon sang, l'estomac me tiraille. On m'a parlé de ton père. Un armurier qui s'est installé à la campagne pour fabriquer des fers à cheval. Mais il devait avoir ses raisons. Un artisan ciré. Ah, madame. Vous avez de la chance. Notre jante dame Tiffen de Thalberg nous honore de sa présence. Très honorée, madame. C'est donc vous, le courageux jeune homme ? Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous. Vous devez être épuisé et affamé. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement ? Après tout ce qu'il a surmonté, il doit avoir une faim de loup. N'est-ce pas, jeune maître ? Allez-y, mangez. Un peu de vin pour aller avec ça ? Merci, gentille dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, gentille dame. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, oui, merci, gentille dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre de bonnes mains, alors. Je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ces bottes immondes avant d'aller au lit. C'est vous, le jeune homme de Scalis ? Que s'est-il passé là-bas ? Je suis navré de ce qui vous est arrivé, mais ce n'est pas une raison pour être impoli. Thank you.
Rangez cette arme. Vous allez aux deux. Bonsoir. Où est la chambre qu'on m'a attribuée ? Juste ciel. Vous êtes encore perturbé par ce qui vous est arrivé. C'est la cabane dans la cour. Merci. Si j'ai besoin de nourriture, à qui m'adresser ? Vous croyez quoi, jeune homme ? À moi, bien sûr. Et si vous voulez un petit quelque chose en plus, il se peut que je vous aide également à l'obtenir. Je vous souhaite bonne chance. Vous avez perdu quelque chose ? Oui ? C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Je vous ai réveillé, peut-être. Gentle dame. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard ? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Gentle dame, merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue... Vous avez sans doute raison, gentille dame. Je vais tout vous raconter. Tout s'est produit sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Un type prénommé Kounesh devait de l'argent à mon père, qui m'a envoyé le lui réclamer. Or, ce Kounesh n'avait aucune intention de payer. Les choses ont un peu dégénéré, comme souvent lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Mais pas moyen de faire cracher de l'argent à Kounesh. Mon père était trop bon. Il faisait même crédit à des gredins comme lui. Oh ! Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Hadzik. L'épée prenait forme lorsque le seigneur Hadzik en personne est venu l'examiner. Il a fait l'éloge du travail de mon père en affirmant qu'il pouvait aisément gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Tiens donc,
Sauf que la horde de Sigismond se trouvait déjà à l'horizon, prête à assiéger la ville. Une nuée d'assaillants s'était rassemblée. Les oriflammes claquaient au vent, les armures scintillaient au soleil et les chevaux hennissaient d'impatience. Tous n'attendaient plus que l'ordre de Sigismond. C'est affreux. Et la mort s'est abattue sur Scalis. Mon père m'a dit d'aller me réfugier au château, pendant que lui allait chercher ma mère. Elle était coincée au village, encerclée par les brutes de Sigismond. C'est alors qu'il a renversé des coumans, les uns après les autres. Je ne l'avais jamais vu se battre comme ça. Puis le chef du groupe d'assaut de Sigismond, un chevalier en armure intégrale, a repéré mon père et l'a chargé. Il l'a d'abord trucidé sans sourciller, avant d'assassiner ma mère de sang-froid. Mon pauvre ami, que le Seigneur ait pitié de leur âme. J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins, mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts, on me criait d'aller prévenir Thalberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Il me fallait trouver un cheval pour rallier Thalberg et vous prévenir. Et malgré tout ce qui est arrivé, vous avez pensé aux autres, en bon chrétien. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de coumans qui voulaient la violer. J'avais dans les mains l'épée du seigneur Radzig. Même s'ils étaient nombreux et mieux armés, il fallait que j'essaye de la sauver. Je voulais au moins aider quelqu'un. J'ai réussi, même si j'ai failli laisser la vie. Je leur ai ensuite volé un cheval et je suis parti au galop. Comme un preux chevalier. Je n'oublierai jamais ces atrocités. Elles me hanteront le restant de mes jours. Oh. C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver ? Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. Le sort ne nous a pas épargnés non plus. Mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divish était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Thalberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment ? Mon mari avait un différend avec le seigneur Avelmedek de Valdec, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribislavis et tué beaucoup de nos hommes, même le vieux chambellan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et... Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robard. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Divish, mais c'était peine perdue. Ça a duré des années. Mais j'étais visiblement destinée à rester seule, et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Des années ? Oui, 7 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon. Et c'est alors seulement, grâce au Seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. 7 ans ? Avel a été puni pour ses actes ? Jamais. Et après ces 7 années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Le seigneur Divish me paraît fort et brave. Sans nul doute, mais il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Thalberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgraviat du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins...
portes. Tu ne peux pas faire demi-tour. Henri, à l'aide! Debout, Henri. Il ne faut pas rater ça. Rater quoi? Que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis Scalis. Au moins une chance de se défendre. Le puits est profond. Que Dieu vous accompagne. Vous êtes au courant de ce qui se passe? À ton avis, Sigismond, ce fumier a conquis Scalis. Il voit là qui vient envahir Thalmberg. Le Seigneur veille sur vous. Cette tempête. Mes hommages. Vous êtes au courant de ce qui se passe? Non. Et toi? Moi? Moi, est-ce que... Je t'ai vu en compagnie du capitaine. Il n'est pas rien. Non, du tout. Bonne chance à vous. On aurait dû s'enfuir dans le bois. Bien le bonjour. Il vous faut quelque chose? Il se passe quoi? On vous a dit quelque chose? Non. Ça pourrait être l'armée de Sigismond, ses éclairs. Que Dieu vous accompagne. Vite, assaut, en dehors de l'enceinte, de se préparer à l'assaut. Vite, c'est bien compris. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, ça rime à rien. Pourquoi Sigismond s'approcherait-il de Thalmberg de nuit? Il doit savoir qu'il a perdu tout effet de surprise après la... Ce n'est peut-être pas lui. Qui d'autre, alors? D'après les éclaireurs envoyés à Scalis, Sigismond a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château. Surtout que le seigneur Radzig est un soldat expérimenté. Il va tenir un bout de temps. Non, ça ne rime à rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, ces espions? Pas grand-chose. Une tempête s'est abattue avant qu'il ne puisse s'approcher. Tu avais raison. Sigismond a un sacré paquet de soldats, dont des mercenaires de toutes sortes. Une telle armée est toute une force. Enfin, on sera fixé quand ils seront sur place, pas vrai? Ça, c'est sûr. Portez-vous bien. Halte! Qui va là? Lucifer et ses serviteurs. Qui d'autre, Robard? Seigneur Radzig? Quel soulagement! La seigneurie est-elle présente? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous debout si tard, Devich? À votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Ah, eh bien, Radzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Vous êtes pressé? C'était un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait feu mon grand-père, mieux vaut avoir la gorge enflée que tranchée, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé.
Votre messager nous a tout raconté. Mon messager? Ce garçon que vous avez envoyé. Il est en vie? Est-il encore ici? À mes côtés. Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Bien, merci. C'est un brave gaillard. Mais par tous les saints, comment avez-vous réussi à sortir de là? Que cette tempête en soit remerciée. Quand elle a éclaté, les Tartares de Sigismond se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici, à Thalberg? Non, non. Quand Sigismond trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous ne ferions que vous exposer au danger. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons rallier Rathay. C'est seulement à deux pas d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous. Au cas où Sigismond viendrait à passer, vous feriez mieux de courber les chines. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon est toujours là? Ici, monseigneur. Tu as du cran, petit. Ça, je ne peux pas le nier. Je suis navré de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalis. Es-tu fou? Qu'irais-tu faire là-bas? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père. Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce d'âne. Tu tiens tant à mourir. Mais, seigneur... Silence! Je regrette sincèrement pour ton père. Mais ça ne changera rien de te faire tuer. Divish, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Thalberg jusqu'à ce que les choses se calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. Je l'enchaînerai comme si c'était Havel de Valdec. Je constate que vos déboires vous ont endurci, seigneur. Mais merci. Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables. Adieu. Adieu, mon ami, et bonne chance. Mes amitiés au seigneur Anouche. Ce sera fait. Bonne chance également à vous tous. C'est une bien sombre époque. En avant! Cette nuit, les patrouilles sont triplées. Comme d'habitude, répartissez-vous les rondes. Si j'en prends un picolet, jouer au dé ou flémarder, je me charge de lui briser tous les os de son corps. Soyez très attentifs à tout ce qui se passe alentour. Sigismond aura sans doute envoyé des hommes à la poursuite des villageois de Scalis, maintenant qu'il les sait en fuite. Ouvrez bien les yeux et faites-moi un rapport immédiatement. Compris ? Un vieux supplémentaire ne serait pas de refus. Et je sais que les observateurs pourraient monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre? Disons une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi. Excellent. Et ne t'en fais pas, mes hommes te relèveront tout à l'heure. Bonne chance à vous. Et vous, ne bougez pas d'un pouce. Lâchez les armes.
devoir répondre de vos infractions à la loi. Laisse-moi. Attendez. Ne jouez pas aux innocents avec moi. Nous savons bien tous les deux que c'était vous. Ce ne sera sûrement pas donné. Vous apprendrez que le crime ne paie pas. Bon, allons, mon ami. Vous savez que je travaille pour le compte du seigneur Radzik Kobila, non? Et alors? La loi est valable pour tous. Je ne peux pas payer cette somme. Si vous ne payez pas, vous allez en prison. Ah!